Bonjour mes petits sahbis, salam alaikum la jeunesse, j'espère que vous allez bien. Bref, j'ai mis un peu de parfum chez Nox, je les kiffe Nox, c'est les meilleurs. Basse-toi. Tu vois, parce que dans le 100 ml que j'avais commandé, ça c'est le numéro 70-12. Oh, celui-là il sent trop bon, je vous jure, c'est dingue. Bref, je vais à la Stadelle voir mes copines. Je vais d'abord mettre de l'essence parce que je vais être en Hesse. À Leclerc, le week-end c'est content, je sais pas comment ils appellent ça, après coûton, tu vois. 1,55€ le gasoil, tu vois ce que je veux dire. On est pauvres, on y va. Bref, je vous emmène avec moi. Je suis trop contente, il fait super beau, ça fait grave du bien. J'ai essayé de me faire une bouteille. Hier, j'ai lavé mes cheveux avec la gamme de songe violette. Pépette. J'ai juste mis le shampoing violet. On va tester prochainement la patine. Je voulais pas faire les deux en même temps et je voulais pas le faire sans vous. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Regardez où je suis. Je suis venu en premier pour pas me faire escroquer parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est des fondants citron myrtille. Sans lait, sans gluten. Ça, c'est trop bon. Chocolat, poire, c'est vegan. Tarte poire, amandine, pépite de chocolat. Oh là là, ça aussi, c'est bon. Cake, hérisson, citron, framboise. Oh non, 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 non. Comment vous voulez que je choisisse? Carotte, cake, aux noix et épices. Ça me dit bien. Matcha, chocolat blanc et framboise. Ouais, je vais prendre ça, je suis obligée. Et chocolat, cookies. Mais comment vous voulez que je choisisse? La dame, c'est une artiste. Je vous filme aujourd'hui. Parce qu'elle se filme avec moi, elle a honte de moi, la dame. Et je me fais belle à chaque fois, et elle veut pas apparaître avec moi à l'écran. C'est inadmissible. En plus, elle m'a même pas gardé un gâteau la semaine dernière. Bon, je choisis un truc, je vous montre. J'ai choisi une place incroyable. J'ai pris deux gâteaux, parce que je suis une grosse patate. Franchement, ils sont trop bons, tu peux pas, je pouvais pas choisir. Ça, c'est, je vous ai montré, deux gâteaux. Un régal, avec un petit smoothie, trop mignon. Un smoothie bio, doux, onctueux, savoureux. Banane, fraise, framboise, poire. Le bon mix de fruits bio, parce que je veux dire ou pas. On a la diète ou on l'est pas. Santé, mes amis. Ah, je suis trop contente. Ils sont délicieux, ces aussi. Regardez les ongles de Union le Soleil. C'est une dinguerie. Regardez-moi. Je suis aux chiottes, mais c'est impeccable. Tout est propre. Regardez-moi ça. Elle met de la lecture, faut pas s'étonner que les gens, ils restent trois plombs de chat. Hein. C'est très mignon. Regardez cette veste, Daniel Etière. Incroyable. Doublure satinée. Elle est comme mon pantalon à l'intérieur, c'est satiné. Incroyable. Elle est sublime. Petit détail sur le col. Des petites broderies. Magnifique. Incroyable. Bien évidemment, faut que j'enlève mon nœud, mais ça déchire, c'est vintage de ouf. J'adore. Je vais vous montrer correctement. Ça, c'est magnifique. Bon, je me rentre. J'ai l'impression d'être en Kanzwa. Ma parole d'honneur, ça déchire. Une pensée à ma petite Sarbi. Je sais plus ton pseudo. C'est dommage. T'as de la chance. T'as échappé belle. C'est toi qui m'as dit. T'as l'impression d'être tout le temps en vacances. C'est de ouf. Elle m'a offert une petite bague, ma mine. J'adore. Ça, c'est à l'ancienne. De ouf. Quelle heure est-il, madame Persil? 5h15. Tu dois rentrer chez toi, Nathalie. Vitaly, j'adore, il est trop mignon le gros minet en plus. Non, ça déchire. Elle est trop mignonne, mine. J'ai pas acheté tout ce que je voulais, mais je reviendrai. La veste à rouge, elle était trop belle, je l'ai pas prise. Les chaussures au léopard, elles étaient trop belles, je l'ai pas prise. Mais j'ai pris un jean, un petit gilet et le petit pantalon moumouté qui est trop bien pour sortir quartier en hiver. Ça déchire. J'adore, ça me passionne. Fidèle. Non, mais je continue à marcher vers là-bas, ma voiture elle est là quoi. Passe à côté de ta voiture sans la voir. C'est signé Nathalie, ça c'est ma spécialité. Après, salut voiture, ça va ou quoi? Ça déchire. Débat. Il est posé devant ma bagnole. Combiné. C'est des tapettes. C'est des trouillards. Non mais j'aime trop, je vous avais pas montré, je l'avais pas essayé. C'est une dinguerie, il est trop beau. Parfait, il est pile poil à ma longueur, j'adore. Incroyable. Je suis en train d'imprimer des papiers. On partir à la salle, mes sarbis. J'ai reçu un autre air fryer. Il déchire de ouf deux tiroirs. Je voulais trop un comme ça. Parce que moi, ça m'a changé la vie. Vraiment, je cuisine tous les jours avec. Et celui-là, je vais le donner à ma voisine parce que le sien, il est archaïque. Il a mon âge. Bref, j'ouvre le colis et je vous montre. En tout cas, il est super lourd. Tu vois bien que c'est pas de la merde, mais c'est de la putain de qualité. Même le précédent, je me kiffe.
Il est archi mignon, il prend pas de place dans la cuisine. Donc c'est génial. Je suis grave contente de ouf. Je l'ai reçu gratuitement. Je suis pas payée pour vous payer de parler de ce produit. Sinon, je l'aurais dit. Et de toute façon, moi, quand c'est de la merde, je me dis. Et là, c'est vraiment pas de la merde. Et je kiffe. Le air fryer, c'est la vie. Vraiment, c'est la vie. Là, j'en voulais un deux tiroirs parce que tu peux cuisiner ta viande et en même temps tes légumes à côté. Ça me déchire de ouf. Ça, vraiment, ça m'a changé la vie. Même mon chéri, il dit que c'est de l'amour. C'est vraiment génial. De la barre, je suis trop contente. Et c'est toujours de la même marque chez Free. Chez Free, aussi, ils font valide. Donc, franchement, ça me déchire. Oh là là, je suis grave contente. Vous savez pas, vous savez pas comment je suis contente. Il y a deux grilles en fait dans celui-là. Il y a deux grilles. Et tu peux régler la position de tes grilles. Ça veut dire que tu peux faire des côtes de bœuf et tout. Tu les mets en hauteur, ça déchire. Je suis trop contente. Donc, franchement, ça va refaire ma journée. Et cette marque-là, elle est trop la classe. Elle est vendue chez Darty, elle est vendue sur Amazon. Je vous mettrai bien en barre d'infos. La dame, elle va sûrement me donner un code promo, c'est même sûr. Oh là là, la machine de guerre. Par contre, il est lourd, putain. Ah, il est lourd, comment je vais faire pour le sortir du carton? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Attendez, oh là là, comment il est lourd, c'est dinguerie! Putain! Ah ouais, laisse tomber! Ah putain! Il est super lourd! Ah bah tiens, je crois que aïe! Je crois que je vais le mettre là. Mais c'est intégrable! Allez, on découvre la bête ensemble. Allez, franchement, il est... Oh là 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 là! La balle! Don't touch chaud, ne touchez pas, machin, machin. Et surtout, si vous avez un air fryer, ne le mettez pas proche du mur. Parce qu'heureusement que mon chéri, il avait cramé le truc. En fait, ça a chauffé de ouf derrière. Et heureusement qu'il l'a vu, parce que moi, je n'avais pas fait gaffe. Et il faut l'éloigner du mur. Ne remplissez pas d'huile, machin, ceci, cela, ne l'ouvrez pas. Bref, je regardais la notice, c'est bien pour moi. Tac, 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 ok. Ah, je kiffe, il est trop stylé. Putain, j'ai l'impression d'être Estebèche. Philippe Estebèche. Ah non, ça m'est sûr, il est trop beau. Pourquoi il y a ça? Ah, il est magnifique. C'est vraiment une dinguerie. Déjà l'autre, je le kiffais. Mais alors celui-là, il est plus intelligent que son précédent, tu vois. Oh, incroyable, il est trop beau, je le kiffe. Alors là, je suis archi fan. Et merci à la dame de me faire confiance. Franchement, je suis grave fan. Oh là là, la bête de foire. J'adore. Ah, c'est une tarée. Bienvenue à la maison. Ah, je le kiffe, il est sublime. Putain, j'ai toujours pas trouvé un rangement pour épices, ça me casse les couilles. Je vais voir si je trouve pas des petites étagères à mettre ici, là, parce que ça me casse les couilles. Ça fait dégueulasse, les épices, là, ça me casse. Et comme par hasard, à Action, il n'y avait plus, et à JP, il n'y avait plus, et à Leclerc, il n'y avait plus. Super. Faut que je trouve ça. J'ai regardé sur AliExpress, j'ai pas regardé. J'ai rien oublié dans le colis. Ah, je suis grave contente. Alors ça, je peux vous dire que je vais vous faire plein de recettes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner. C'est pas très gentil, mais bon, tranquille quoi. Il est magnifique. Est-ce que attends, je vais le brancher. Ah, je kiffe trop ces machines, c'est vraiment la vie. Vraiment, vraiment la vie. Oh, j'adore. Regardez-moi tous ces boutons. Par contre, il faut que je regarde la notice, sinon je vais dans la merde. Une lumière. Deux lumières, mais c'est trop simple, left, right. Mais ça déchire, franchement, c'est du lourd. Après, mix, air fry, roast, air crisp, broil, bake, réhydrate, réhydre, grille. Mais c'est trop bien, la classe à Dallas. Il y a un minuteur et tout. Non, franchement, celui-là, il est incroyable. Synchro finish. Ah, il faut que je le synchronise avec l'application. Oui, parce qu'il y a une application. Oh, je kiffe. Il y a une application où il y a plus de 100 recettes. Et franchement, c'est génial. Ça, tu peux tout faire avec. Si t'arrives. Ça, tu vois, regardez. En fait, le gris, tu peux le poser en hauteur comme ça. Ça, c'est génial. Faut que je regarde la notice, hein, parce que là, j'ai pas le temps. J'ai faim et tout. Faut que tu vois, tu peux le mettre soit en hauteur comme ça, tu fais cuire des côtes de bœuf et tout le bordel. Ou alors, tu le mets en bas pour cuire normalement tes aliments. Oh, je kiffe, il est incroyable. Franchement, ça, c'est de la balle. Correctement, là, il est vachement intelligent et qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, ils font des machines chez Free et il se fait pas de la gueule des gens. Ma parole, il est incroyable. Je suis grave contente parce que depuis que j'ai utilisé le petit, là, j'en voulais trop un avec deux tiroirs. Oh non, mais là, je vais me prendre pour un chef cuistot. Hey, je vais vous faire des recettes. Vous êtes même pas prêts. Hein. Franchement, il est magnifique. Regardez.
Non, franchement, c'est une pépite. Il est d'une beauté exceptionnelle, je kiffe trop. Merci encore à la dame qui me fait confiance, qui m'a envoyé plein de produits. Et franchement, c'est que des bons produits, ça déchire de ouf. Elle nous met des bons codes promo. Donc franchement, je suis grave contente. Restez connectés parce que je vais vous faire plein de recettes et ça va déchirer. Je le kiffe. Je vais l'éteindre et je vais le débrancher. Et je reverrai ça tout à l'heure, je vais regarder la notice sous le bordel. Mais je l'aime d'amour. Il est incroyable. Par contre, il est balèze. Si vous avez une petite cuisine, faites attention. Plutôt celui-là, le petit modèle, tu vois, parce que ça, c'est le double. J'ai reçu ça d'AliExpress, j'en avais plein le cul des éponges qui traînent dans le lavabo, c'est trop mignon, je kiffe, je valide, je kiffe, je valide. Il est trop mignon, c'est mon nouveau poteau. Bon, mardi, j'ai fait une petite coiffure. Ça fait longtemps que je me suis pas coiffée. Quand j'étais en dépression, j'arrivais même plus à me faire une tresse. Mes cheveux, ils se déchiraient tout seuls. Je savais même plus faire une tresse, je vous jure que c'est vrai. Tellement que mon cerveau, il était éteint et que j'étais mort dans le game, j'arrivais même plus à me coiffer. Je me suis dit, je sais plus coiffer. Même quand je coiffais rarement des filles pour les extensions, parce que depuis le Covid, ils m'ont bousillé mon taf, j'avais plus confiance en rien. C'était horrible. Du coup, ça fait du bien. J'ai fait un proctoc, j'ai fait un réel Instagram. Je suis fier de moi, j'aime bien. Ça fait du bien. Moi, je pense que je pensais ne jamais revenir sur les réseaux. C'est un truc de dingue, la vie. Bref, go training. Il fait beau aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ce matin, il pleuvait, temps de merde, et là, il fait beau. J'adore ce village, j'adore la Gironde, j'adore le sud. Aussi loin que... Merde, je ne me rappelle plus. Petite voiture, tiens le coup, t'inquiète pas, je vais te faire ta courroie d'accessoires. Après, tu vas être toute neuve. En plus, le mec, il est gentil du garage, il est trop tigeant. Je crois qu'il va me prendre même pas 50 balles. Ram, c'est LF, courroie de distrib. Parce que j'ai fait ma courroie de distribution, j'ai payé 700 balles dans le 91 à Metz. Dans ce garage de merde, il a niqué la bagnole de Sam en plus, enculé. Même ma voiture, elle a tenu le coup. Parce que alors là, j'aurais été dans le khala complète. Et du coup, quand tu fais la courroie de distribution, normalement, tu fais la courroie d'accessoires. Et comme moi, j'y connais rien, je suis parti sans mich-mich. Heck, il m'a mis dans le zouk. Ça va, je m'en sors bien. Bref, faites attention à vous. Quand vous allez au garage, ramène un sahab avec toi, c'est mieux. Sinon, tu vas te faire rodka, petit. Je t'aurais prévenu. J'ai mis mes ongles Union de Sahabiland. Ils sont magnifiques. Vous avez toujours 20% jusqu'à fin octobre, profitez-en. Après, ça passe à 10%. Et il faut prendre le guide détail. Parce que le guide détail, c'est pas la taille en longueur, c'est la taille en largeur, les filles. Putain. Elle fait exprès de nous faire des trucs personnalisés. La classe à Dallas, la taille en longueur, moi c'est du S, et la taille en largeur, il faut que tu commandes le guide de taille, c'est pas pour qu'elle fasse d'études ou quoi, elle gagne rien là-dessus sur le guide de taille. Vous prenez le guide de taille, vous choisissez vos tailles à votre largeur de doigt, et après tu commandes tes ongles sur le site, à ta taille, comme ça t'as pas besoin de te faire chier à les limer sur le teco. Ils sont nickel à ta taille, sur mesure, tu vois, nickel, impeccable, donc il faut valide. Qu'est-ce qu'elle a ma frange aujourd'hui, elle est con. J'aime trop cette coiffure, simple et efficace, on y va. Putain, ça déchire ça, ils ont fait la main une LED. Pourquoi on peut pas essayer? C'est honteux. Pourquoi on peut pas essayer? On peut pas voir ce qu'on achète quand on est comme des cons, quoi, en fait. Ils achètent et te ferment ta gueule, quoi. Comment ça, ça ne va pas la lumière. LED design is registered. Écoute, je sais pas, ça fait de la lumière, mais je sais pas comment ça sonne. Bon, première utilisation, il est bien plus intelligent que l'autre, hein. C'est un truc de ouf. Tu peux faire cuire juste d'un côté et des deux. Donc là, j'ai mis left, tu vois ce que je veux dire, comment on fait SB. Ah ouais, play. Je ne regarde. Il est allumé ou quoi là? Putain, je suis SB. Attends, on va mettre la lumière. Donc j'ai mis left 140 degrés, j'ai mis des œufs. J'ai mis 4 œufs. Mais j'avoue, on voit trop bien, ça déchire. J'ai mis 4 œufs. Pour faire des œufs, il faut mettre 10 minutes normalement à 140 degrés. J'aime trop, il est archi bien. Mais par contre, il est vachement intelligent. Bon, c'est un peu la hesse. Donc ce soir, j'ai mis un bout de saumon. Il me restait 70 grammes. 50 grammes de riz. Et je vais mettre des tomates qui me restent. Et je vais faire cuire des œufs pour demain parce que là j'ai pris des sardines, des œufs, le saumon ils l'ont remis super cher à Lidl donc j'en ai pas pris parce que j'ai pas trop de thunes. Bref, tu connais, 15 du mois, on est déjà à la fin du mois, c'est comme ça, c'est pas autrement. On s'adapte, on est tranquille. J'ai trouvé des sardines que je vous ai montré la dernière fois à Leclerc. Ça, les trois comme ça, c'est 1 €, donc ça vaut grave le coup. Moi, une boîte comme ça, ça me fait un repas donc c'est nickel. Le midi, je peux manger des œufs, du coup, je vais m'adapter à la situation. Bref.
Je viens de mettre ma main derrière, parce qu'encore une fois, faites attention au air fryer, mais ma parole, il souffle de l'air frais, c'est trop mystique. L'autre, il soufflait de l'air chaud, et celui-là, on dirait qu'il y a un ventilateur derrière. Incroyable. Non, franchement, c'est une dinguerie. Je suis grave fan. Bon, j'ai remercié mes dernières aubergines du jardin. Elles étaient petites, mais marliches. Du coup, je vais mettre un peu de gîte, parce que j'ai plus d'huile d'olive. Je suis trop dégoûtée de plus en avoir. Je croyais que j'avais de l'huile d'ail, mais j'en ai pas. C'est vraiment la recette de la hesse. Je vais rajouter un peu d'huile d'ail marinée. Et basta. Du coup, j'ai mis une tomate qui se battait en duel dans mon frigo. Et c'était ça, l'ail mariné de Lidl, avec un peu de har. C'était super bon, mais j'en ai plus. Bref, c'est la hesse. Du coup, on va le foutre dans l'air fryer. Et franchement, cet air fryer, il est dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, j'ai compris un peu le système. Je vais la mettre à pêcher à 5,90. Il va jusqu'à combien? Ah, il va jusqu'à 205. L'autre, il va jusqu'à 200. Alors, je vais le mettre à 180. 45 minutes. Et ça, tu peux faire Zarma et ça te fait un bip sonore pour retourner tes aliments. Franchement, il est archi intelligent. Il est même plus intelligent que moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, 44 minutes. Check. Tu vois ce que je check on? Ça veut dire que quand tu dois retourner les aliments en milieu de cuisson, il va t'appeler. Il va te dire, viens retourner tes bordels, sinon je me... Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai tout décalé. Attends, 180 degrés. Putain. Faut que je recommence tout. Ça, par contre, je t'ai dit que t'étais intelligent, mais t'es un peu con de pas retenir ce que je viens de te dire. Shake on, ok. Play. Play. Et tu peux faire cuire que d'un côté. Tu vois, là, il est parti. Comme en 44 minutes. Et quand je devrais retourner les éléments, il va m'appeler, il va me dire, oh, viens retourner ton bordel. Et si je les retourne pas, il s'arrête et tu vois. Bref, archiintelligent.com. On adore, on kiffe, on valide. Un truc de ouf. Tu vois, les trucs, ils clignotent quand tu dois check. Check, check. Tiens, on m'appelle. Je vais check. Je sais pas. Attends, je check sans vous parce que... Le machin, il a vu que j'avais check. Il est reparti comme en 40. Ça te déchire. Bon, ce soir, j'avais pris ça, là, émincé de filet de poulet, parce que c'est... Jean-Louis, il me dit que je peux manger ça dans ma diète. Et ça, cette fois-ci, c'est façon gyros, parce que d'habitude, on prend façon mexicain. J'ai voulu changer, il y avait ceux-là, donc on va goûter. Je vous dirai si c'est bon ou pas. J'ai fait ma petite ralota avec les aubergines du jardin, les dernières, que je vais bien savourer. Et franchement, ce air fryer, il est génial. Donc voilà ce que ça donne, ça va être délicieux. Encore plus quand c'est mariné, le lendemain c'est encore meilleur. De toute façon, tous les plats sont encore meilleurs le lendemain. Bref, j'ai fait ma petite coiffure, je sais pas si je vous ai montré pour demain. Je vais préparer mon bol cake. Franchement, c'est vite fait. 100 g de fromage blanc. 100 g de fromage blanc. Oh, qu'est-ce qu'elle achète, papa? En plus, c'est même pas très bon. Genre, c'est des chicots là, pain d'épices. Je déteste le pain d'épices. Mais ça, c'est quand j'ai la dalle, quand je vais faire les courses. Tu vois ce que je veux dire? Quand je mange pas le midi, je vais à Lidl. C'est le... Là, en ce moment, c'est les trucs de Noël, de compagnie, tu vois. Du coup, j'achète de la khara quand j'ai faim, quand j'ai pas mangé. Allez, c'est pas grave, j'y ai pas touché encore, ça va, tu vois. Mais hier, j'ai acheté des faux Kinder Bueno, j'en ai mangé 4. Bref, je vais faire mes petits... Mon bol cake, ça te calme de ouf. Tu manges ça le matin, t'as même pas faim. Et t'es en pleine forme, plus ça. Je vais commander du pré-workout, parce que, pour avoir les mêmes gibol que mon sahab à la salle. Ah oh, putain, j'ai mis 23 grammes. Du coup, je vais commander du pré-workout sur MyProtein. En plus, il est super bon son pré-workout. Mais dans mon dépôt, à quoi ça sert, je sais pas trop. Ça te donne un peu d'énergie, je sais pas. Mais il est bon et tu vois ce que je veux dire. Là, moi, je suis puissante après. Du coup, je vais demander qu'il m'envoie le lien. Le poteau. Et du coup, je vais le commander. Et franchement, sur Tok Tok, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. J'ai fait une danse de chef mamie, là. Je me suis tapé une vaste... que des mkawed. Et du coup, j'ai dit que j'en avais plein le cul des blédards. Mais wesh, je suis une Algérienne. Putain, les gens, ils sont habiles, je te jure. En fait, je dis ça dans le sens où les blédards qui manquent de respect, qui nous salissent notre religion, notre race, bordel de merde. Genre, t'es marié, ils insistent. Index WhatsApp, t'as pas WhatsApp, index WhatsApp. Ah oui, mais c'est quoi ce monde? Des sous-hommes, il y en a un autre connard là qui me marque
tu ressembles à Saïd le mécanicien, c'est même pas si qui se met là. Tu te prends pour Marilyn Monroe, mais du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive toi, Saïd le mécanicien c'est ta grand-mère, Miskina, je parle de sa grand-mère, elle m'a rien fait Miskina. Et bref, tu peux pas avoir du respect avec les gens comme ça, c'est pas possible. Le mec, je lui dis ça et il me répond MDR, t'as pas le sens de l'humour, dommage t'es marié parce que j'aurais pas demandé la main d'une grand-mère. Qu'est-ce que c'est drôle, putain, je me prends ma poire, putain. Et je vous jure, il y a des marques. La génération de maintenant, vraiment, elle est perdue sur la tête de ma mère. Le mec, il doit avoir au moins 30 balais ou j'en sais rien. C'était ton... Vas-y, bref, je fais mon poulet. Il est où le poulagna? Poulagna, il est dans ma casserole. Bonjour mes petits sahbis, putain, ce matin j'ai la voix de Robert De Niro, j'ai des poches kangourous sous les yeux, tout va bien, tata, tout va bien, c'est un bruit, je suis en train de faire un masque action, parce qu'il faut passer à l'action, oh non, merde, il s'est cassé la gueule, j'ai des cernes ici, j'ai pas des cernes sur mes genoux, mais mec, c'est le matin, bref, nous sommes jeudi, aujourd'hui je reçois la palette de Marion Caméléon. Je vais vous faire des tutos make-up, ça déchire. J'espère que j'aurai un peu de matière pour pouvoir me make-up, et tu vois ce que je veux dire. Parce que là, mes paupières, elles commencent à se plisser un peu cher. C'est pas grave, allez, je vais trouver une solution. Je suis en train de boire mon kahwa. Il pleut comme vache qui pisse. Mais on va s'entraîner. Bon, c'est parti. J'ai traîné. Il est 15h, un peu cher. Il fait un temps de merde, zéromotivation.com et on y va. Je suis tout de rose vêtu parce qu'à la salle de sport, ils font soutien octobre rose pour le cancer du sein. Et ils ont demandé de s'habiller en rose pour se faire prendre en photo. S'ils ne me prennent pas en photo, je vais faire la gueule, hein, je vous le dis moi. Ils ont intérêt de me faire un shooting photographe professionnel parce que je vais me fâcher. Hein. Bref, on y va. Bon, vendredi, tout est permis. Tata va s'entraîner au entraînement haut du corps aujourd'hui. Je suis en vacances, j'adore. Ça me passionne. En plus, le vendredi, quand tu rentres de la salle, tu te dis ouais, Psartec, j'ai fait tous mes trainings. Truc de dingue, tu vois, ça déchire, ça dingue. Bref, je vous reprends tout à l'heure si je fais des perfs et on verra bien. J'ai gardé ma petite coiffure parce qu'elle est pas trop abîmée et ce week-end, masque et compagnie, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. On est vendredi soir, j'ai fait mon petit masque comme d'hab, le même que je vous montre d'habitude, ça fait du bien, là je vais me faire un masque du visage, le masque qui chauffe là, j'aime trop, franchement il fait trop du bien de ouf. Et je continue ma routine des produits Luxor pour voir, faut que je la finisse de toute façon, je continue à mettre de l'huile de figue de barbarie sur mon visage et l'huile de rose, ça fait extrêmement du bien. Bref, le vlog de cette semaine n'était pas aussi long que la semaine dernière. J'espère que ça va vous plaire quand même, mais ça paye parce que c'est un peu la hasse, tu vois ce que je veux dire. On est en fin de mois, tu connais le fin de mois, c'est un peu le bordel. La semaine prochaine, je change de diète, on passe en diète cyclique parce que je me sens prête. En fait, c'est deux jours haut en glucides, deux jours bas, un jour bas, donc ça va être différent. Je vous montrerai la semaine prochaine. Puis voilà quoi, je suis archi contente, je suis archi fière de moi. J'ai passé les tractions, 6 tractions, c'est incroyable. 3 séries de 6 tractions, une série de 5 tractions, putain. C'est dinguerie, en si peu de temps, incroyable. Le corps humain est incroyable, vraiment. Et je me sens plus forte, mentalement, physiquement. Ça fait grave plaisir de ouf. Et franchement, c'est incroyable. Rien de mieux que j'ai repris le sport, je vous le dis. Il n'y a pas mieux dans la vie. Inch'Allah qu'un jour j'en fais mon métier et j'aiderai des femmes à reprendre confiance en elles et tout ce qui va avec. Parce que c'est pas juste le physique, ça fait partie de la reconstruction mentale et c'est trop important pour moi. Ça me fait extrêmement du bien et j'aimerais tellement transmettre les valeurs du sport aux gens, leur donner confiance en eux, les aider à accomplir des choses qu'ils ne pensaient pas capables, être capables d'accomplir. Bref. Et je voulais revenir sur une petite chose, si tu passes par là, et obligé de voir passer par là, parce que les gens sont un peu mystiques, ils te critiquent, mais ils te regardent, c'est le monde actuel, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
ta copine maghrébine qui a dit que j'étais vulgaire et que, qui a dit que je manquais de respect à la communauté, mais jamais de la vie en fait. Je suis algérienne. Mon père était français, basque, qui repose en paix. Ma mère était algérienne. Je ne manquerai jamais de respect à quiconque dans cette planète. À partir du moment où on me respecte, je respecte les gens. C'est pas parce que j'ai un langage un peu. Je ne suis pas vulgaire, je suis grossière. Et je m'exprime comme je suis dans la vie de tous les jours. Je vais pas changer ma personne pour plaire à telle ou telle personne. Ça ne me ressemble pas, j'ai jamais été comme ça. Et je ne le serai jamais. Tu m'aimes bien, tu m'aimes bien, tu m'aimes pas. Khlas, va. Alors, je ne te force pas à regarder mes vidéos. Il n'y a pas de galère. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et Dieu merci. Tu vois. Bref, arrêtez de critiquer les gens sur Internet sans les connaître, sans connaître leur vécu, leur parcours de vie. Tu vivrais un quart de ce que j'ai vécu. Ma parole sur... Je ne sais même pas si tu serais encore de ce monde. Ma parole d'honneur. Je ne suis pas là pour me plaindre. Bref. Ça me passe au-dessus de la tête, peu cher. Je ne sais pas si dans ce vlog, je vous ai dit que j'avais essayé le shampoing de Songe Blond Californien. Il est très bien. Franchement, il est très très bien. Je trouve qu'il déjaunit très très bien les cheveux. Demain, je vais en tester un autre. Lequel? Non, demain, je... Ben, demain, ça serait pas mal. Non, ça serait bien que je fasse une vidéo exclusive pour ça. Ben, je pense que demain, je me relave avec le de Songe. Et par la suite, je vais faire une vidéo exclusive sur la patine que j'ai achetée de Songe, que vous m'avez conseillé d'ailleurs. Comme ça, si ça peut vous permettre de l'acheter au passé, juste à ta la valide, vous verrez moins le résultat sur mes charges. Voilà. Bref, il est 12h30, je vais lancer une machine parce que ça coûte moins cher le soir, parce qu'on est tous en galère. Et je vais me tartiner la pomme pour me faire du bien. Oh là là, j'ai rendez-vous le 5 novembre pour commencer mon bras. Mon projet, c'est faire tout le bras. Et je pense que je vais finir sur la main parce que je trouve ça exceptionnellement magnifique. Et je trouve que ça me ressemble. Et je vais intégrer un tatouage pour ma mère, que ma petite Nora m'a envoyé. Je vais intégrer ce tatouage pour ma maman, donc c'est cool. En plus, j'ai des bibis, des tri-tri, ça fait plaisir. Bref. Et je le répéterai jamais assez, les filles. C'est difficile quand on n'a plus goût à rien. Mais prenez soin de vous. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et ne laissez personne vous niquer votre vie et votre cerveau. C'est compliqué hein, de parler de ça comme ça, à l'arrache. Mais je parle en temps de mon vécu. S'il y a des choses qui te tracassent dans ta vie, mets-les de côté. Tu prends une boîte. Moi, j'ai plein de boîtes dans ma tête. Et tout ce qui m'a fait mal dans ma vie et qui me fait encore du mal actuellement, si je fais pas ça, je suis morte. Je prends la boîte, je la ferme à clé et je jette la clé. Ah oui, d'ailleurs. Comme ça, j'avance un peu dans ma carrière. Petit pas par petit pas, mais j'essaye d'avancer et d'aller mieux. Parce que la dépression chronique, c'est à vie. Malheureusement, je n'ai pas demandé à être fabriquée par mes remparts. Et je pense que j'ai toujours pensé que les gènes du suicide, je les avais dans mon être. Mais il y a un psy qui m'a dit que c'était pas vrai. Mais moi, je ne crois pas à ça. Pour moi, ils sont encore en moi. Je veux pas faire une vidéo bad, tu vois, mais j'ai toujours dit dans ma vie que ce serait moi qui déciderais de la fin de ma carrière sur cette planète. J'ai encore un rôle à jouer. J'ai encore un rôle à tenir, je vais le tenir. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais. Je sais pas comment expliquer le truc. Ah. J'ai l'impression d'avoir des gènes, d'avoir été fabriqués par des spermatozoïdes, mon kawed, dès le départ, tu vois ce que je veux dire? Mes deux parents, ils sont foutus en l'air. Donc ça a fait deux personnes qui ont fait un être humain sur Terre, qui lui ont donné des. Du zbeul à la naissance. Je sais pas, vous me comprenez, je pense. Mais bon, bref. C'est pas pour ça qu'on est foutu et qu'on peut pas avancer dans sa vie, tout simplement. Donc il faut s'accrocher, il faut croire en soi et il faut essayer de faire des choses qui nous font du bien pour aller mieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais me taire parce que de toute façon, je vais filmer la vidéo de la dépression ce week-end et je la posterai sans doute mercredi. Le vlog, celui-là, il sort dimanche. Je pense que je la posterai mercredi, depuis le temps que je dis ça. Mais c'est parce qu'il faut que je me sente prête à jacter, toi. Et il faut que je me sente prête psychologiquement aussi à lire vos messages, à lire les mkawed qui vont critiquer, mais comment je les emmerde au plus profond de ma personne. Si vous savez comment j'ai souffert pendant 3 ans, il n'y a personne qui va m'atteindre sur ma parole d'honneur. Il n'y a personne qui va m'atteindre avec du spell de commentaires de merde. Il n'y a personne. Donc je voulais vous montrer aussi, j'avais pris des petits colliers sur AliExpress que je trouvais très jolis. D'ailleurs ça s'en est un. Je vous l'ai montré sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous montre souvent des trucs que je commande, que je ne montre pas tout ce jour-là parce que j'oublie. Ce collier, il est absolument magnifique. Il vient de AliExpress.
J'en ai commandé un autre avec l'ail. Parce que le mauvais œil, c'est dangereux. Et celui-là est très joli aussi. Ah, il y a un cheveu. Celui-là, il est très joli aussi. J'adore. Avec des petites pierres bleues tout autour. Franchement, il est trop beau. Et je les ai payés 1€, je crois. Pff, misère. Je voulais essayer pour voir si je suis allergique ou pas. Parce que moi, ma peau, elle est un peu... Je prends un peu pour une joie bourre, tu vois. Et il y a celui-là aussi. Celui-là, c'est pas un rat de cou. Très, très joli aussi. J'aime bien. Simple, efficace. Des petits strass. Tu vois, il est très mignon. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, de toute façon. Je me fais piquer par les stigmos. C'est une région à moustiques, je vous dis pas. Il y a celui-là aussi. C'est difficile de vous montrer. Avec des petites pierres vertes. Vertes, blanches. Absolument magnifique aussi. Très, très joli. Franchement, j'adore. Il y a celui-là aussi, ça j'adore, ça me fait rappeler ma jeunesse. C'est un rat de cou avec un petit strass qui est absolument magnifique. La qualité, il n'y a rien à dire, franchement, on n'a pas besoin de mettre des milliers des cendres dans des bijoux. Après, ce ne sera peut-être pas la même qualité que boutique d'Eren, tu vois, mais ça suffit pour ce qu'on en fait. Avant, je ne portais pas du tout ce genre de bijoux parce que j'étais allergique de ouf. Et je sais pas, maintenant ça passe, écoute. Donc on va essayer, pour l'instant j'ai mis celui-là, j'ai aucun problème. Moi quand je suis allergique, je chope des boutons direct. Hein. Donc mais celui-là, il est absolument magnifique et franchement la qualité quoi. La qualité, faites pas attention à mes mains, j'ai fait le jardin, c'est dégueulasse. J'arrive pas à enlever cette merde de terre là, mais bref. Voilà, donc ça c'est magnifique aussi, rat de cou. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais commandé sur AliExpress. Donc j'y suis, je vais essayer ce masque là. Enrichi with Shea Butter Macadamia. Oil, vitamine E, une paire of smoothing machin. Donc 15 minutes, c'est des gants pour les mains. Parce que j'ai les mains très très sèches, vu que je fais des tractions, j'ai les mains très abîmées ici. Donc voilà. C'est soit le sport, soit les mains, on peut pas avoir les deux. Donc on va tester ça. 15 minutes, ça me fait un peu yesh, je vais pas te mentir. Mais on va tester, je vous dirai ce que j'en pense. D'ailleurs, j'en ai acheté pour les lièvres, je sais même pas ce que j'en ai foutu, ça fait deux fois que je les rachète. D'ailleurs, je sais pas où je les ai mis. Bon, ça c'est pas mal par contre, comme ça c'est tranquille, tu peux enlever le bordel là. Oh, ça commence, tu veux te détendre sur mes trois pompes, bah, enlever le bordel. Je reviens. Comme par hasard, c'est le tendre qui s'est libéré en premier. Tu peux libérer tes doigts, ça c'est quand même plutôt sympathique. On aime bien. Donc, première limine. Ah mais ça tient pas, ouais, ça colle même pas leur truc là. C'est moi qui suis con. Je ne sais pas. C'est mal foutu leur truc. Là. Tire tout fixe. Mais j'ai tiré tout fixe, wesh. Bon, ça fixe bien Klaus. Ça marche pas. Ça ne colle pas. Pour le coup, c'est un peu mal foutu ce truc-là. Voilà. On va faire avec, écoute. Ah, je donne du boulot, quoi. Aïe. En même temps, qui fait ça, mais il est mis, s'il te plaît. Donc, ça tient pas. C'est une galère. Bon, écoute. Le fixe de tape. Allez. Écoute, on va faire ça comme ça parce que ça va très bien monter les nerfs. Il n'y a pas une notice. Enrichi en barre de carré de huile de macadamia. Soit le nez hydrate les mains, une paire de gants. Utilisation via que les mains soient. Exemple de saleté. Enfiler les gants. La bande adhésive pour fermer l'ouverture. Enfiler. Utilise la bande adhésive pour fermer l'ouverture. Ouais, d'accord. Donc, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que ça ne fera pas de mal et que c'est agréable. Franchement, moi, tous les soins, là, ça me fait tellement de bien que je lâche pas à faire, tu vois. Par contre, quand je vais refaire mes retouches de mon tatouage sur les mains, je vais bien mettre des gants pendant 20 jours au moins pour tout, pour la vaisselle, pour tout, parce que une fois que j'ai fait l'erreur, pas de... De toute façon, les mains, je ne pouvais pas échapper aux retouches. Donc, bon. Bref, ceci est chose faite. Je suis ravie. J'ai commandé la palette de Marion Caméléon parce que c'est une femme que j'adore. J'adore son caractère, j'adore, c'est une artiste de ouf. Et franchement, elle déchire. Ça, je l'ai commandé, même si je me suis foutu à découvert de ouf, mais j'en ai rien à foutre. Ça fait 3 ans que je ne me suis pas acheté de make-up, 3 ans. J'ai pas envie de l'ouvrir ici parce que je vais faire un tuto avec. Je peux vous dire qu'elle est super lourde et que ça se voit que c'est pas de la merde, tu vois. Elle s'est pas foutue de notre gueule et la palette est absolument magnifique. Et Pénélope, d'ailleurs, c'est trop mignon, certifié par Pénélope, vegan. Ça déchire. Franchement, chapeau bas. Voilà, donc ça, je vais faire des tutos avec. Ça va me redonner goût au make-up. Parce que ce que je fais, moi, en ce moment, je mets un fard avec des paillettes, tu vois. J'adore ces palettes-là. Donc, il y a Beauty, soit je mets celle-là, soit une autre. Je mets un fard, hop, je le mets là, liner, hop, voilà, tac, c'est fini.
Donc j'ai envie de refaire des make-up un peu plus artistiques, même si je ne suis pas douée du tout là-dedans. Ça va me faire du bien. Ça va me permettre de tester des produits que je vous ai montrés, que je n'ai même pas encore essayé, parce que petit à petit déjà, je reprends soin de moi. Le fait de me remaquiller, ça va me faire extrêmement du bien. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que je reprenne les make-up. Et on va faire ça ensemble. Et voilà quoi, comme d'hab. On reprend les anciennes vidéos. Et ça va faire bien, vraiment. Bon, ça tient pas, c'est vraiment casse-couille quoi. Je vous avais pas montré aussi, j'avais pris cette veste sur AliExpress. Franchement, elle était beaucoup plus belle en vrai. Dans les photos des meufs, elles ont mis du mettre des filtres et tout le bordel. Mais je la trouve super originale. J'aimais beaucoup le côté ici, des manches un peu, genre il y a des lacets et tout. Et là, comment elle est découpée derrière. J'ai mal mis la ceinture, mais la découpe de derrière, je la trouve passionnante. J'adore, je trouve qu'elle est belle. J'avais pas de veste marron, elle tient chaud, la qualité, y a rien à dire. Et je trouve que la découpe de la veste, elle est très très jolie. Ça change. Donc voilà, un petit jogging beige, le petit legging beige que j'ai acheté chez Mine. Je vous mettrai l'image ici parce que je ne vous ai pas montré sur YouTube. Et ben franchement, le petit top Kangol beige que j'ai là, impeccable. Je la trouve belle, ça change, c'est original. On l'aime ou on l'aime pas, mais moi j'adore. Ça change. Je sais pas, j'ai l'impression que je change un peu de style. Moi, j'ai pas de style particulier, tu vois. Mais j'aime bien changer un peu. Et ça me fait du bien. J'ai plus de thunes, mais je me suis rhabillée, tu vois, et ça fait du bien. Parce que pendant 3 piges, je me suis habillée pareil tous les jours. Je mettais mon jogging de cloche beef tous les jours. Et franchement, j'en pouvais plus. Donc voilà. Merde, j'ai un fil qui s'est enlevé, enculé. Putain, ça fait chier. Oh, tu vois, ça, c'est les coutures AliExpress. Elle est de super bonne qualité. Il manque un petit point ici, c'est pas grave, allez, je le referai des mots. C'est vite fait. Mais elle est jolie, la découpe est très belle. J'aime bien. Bon, je vais changer les draps. Impeccable. Qui fait ça à 1h du matin, à part Tata, on sait pas. Ah oui, j'ai testé le mascara Stanz. Celui-là, là. Ils sont super bons et franchement, il est top. Je l'ai testé quand je me suis lavé les cheveux la semaine dernière. J'adore l'odeur, il est top niveau. Je suis bien contente d'avoir essayé parce que j'avais jamais testé la gamme Kérastase et je kiffe. Et en parlant de cette gamme, l'huile Kérastase, elle déchire de ouf aussi. Celle-là, elle est top. Je pense qu'il y a des ventes privées quelquefois ou pas. Je regarderai, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Discipline le relax, elle est très très bien. Micro-huile. Et ça, c'est un format quand même qui est 100 ml. Il est balèze le truc, tu vas pas le finir en 2 jours, donc ça vaut le coup. Voilà. Et l'huile, j'ai l'huile extraordinaire d'elle, je la connaissais déjà, ça, je la garde plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir, mes petits servis. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages d'amour sur Instagram, sur YouTube, partout, vous êtes trop mignons. Merci à ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire en commentaire, de mettre des likes à Tata, sur TokTok, sur Instagram, partout, vous êtes trop mignons. Vraiment, ça fait grave du bien de vous lire, d'échanger avec vous, de discuter ensemble. On se comprend et ça fait du bien de ouf. On rigole de ouf sur Instagram. C'est pas le même concept que sur YouTube, t'as vu. Mais c'est trop des barres. Franchement, je me tape des barres. Je crois que j'ai jamais autant rigolé. Pendant 3 ans, j'ai pas rigolé. Je te dis pas, j'avais plus aucune émotion. J'étais mort vivante. 3 ans sans rigoler, en étant en vie. Mais en étant, j'étais comme si j'étais mort vivante. Je vous jure que ça fait du bien de rigoler. C'est un truc de dingue. Et j'ai retrouvé la personne, la Nathalie que j'aime bien. Celle qui peut se faire rire toute seule, qui a besoin de personne pour rigoler, tu vois. Qui est bien avec elle-même. Pourvu que ça dure, c'est tout ce que j'ai envie de dire, parce que plus jamais je vais souffrir comme j'ai souffert pendant 3 ans. Mais vraiment, je le souhaite à personne, c'est horrible. Horrible. Quand tu perds le contrôle de ton cerveau, je te jure, c'est horrible, c'est atroce, abominable. J'ai même pas les mots. On en reparlera. À chaque fois je dis ça, mais vas-y. Je sais que vous arriverez à comprendre. Force à tous les gens qui sont en dépression. Je sais ce que c'est. Vous allez vous en sortir. On peut vivre avec. On peut vivre au mieux avec. Mais bon, il faut faire les choses. Et quand on te dit... ouais, t'es un feignant et tout. Dis-leur, mais ferme ta gueule. Et je te jure que le jour où ils auront le cerveau qui a switché, ma parole d'honneur, ils seront comme des cons, mais un truc de dingue. Faut pas dire ça à quelqu'un qui est en dépression. Faut pas lui dire ça. Après, c'est difficile pour l'entourage, je veux bien le comprendre. Mais faut pas dire ça à quelqu'un qui est en dépression. Il ne faut pas lui dire ça. Vous savez pas ce que c'est. Quand on n'a pas vécu le truc, la dépression sévère, je te parle, tu as juste à fermer ta gueule. La personne qui te dit feignasse, c'est que c'est une grosse connasse. Excusez-moi de ma vulgarité, mais je suis obligée. Et j'oublierai jamais ces mots qu'on m'a dit. T'es une feignasse. Tu te contentes de ta vie misérable. Je vais même pas parler parce que je vais être méchante. Et je n'aime pas être méchante. J'espère que tu vas bien en tout cas. Bref. Mais franchement, je viens d'enlever le masque. Ça fait grave du bien. Mes mains, elles sont toutes douces. Franchement, et ça pénètre direct dans les mains. Ça fait grave du bien. Validé par Tata. Ouais, vraiment.
Non mais écartaille, je l'ai posé 2 secondes pour qu'elle m'attende. Elle a choisi quel endroit. Celui-là, regarde, je savais ta mère, elle savait que t'allais l'aimer celui-là. Mon bébé, ça. J'aime bien que ça, là, il est tout doux celui-là. Tu le connaissais pas celui-là, hein? Il est tout doux celui-là. Mon bébé, ça. Je peux te dire qu'elle est bien. Parce qu'elle est cool. Bon, nous sommes samedi. Du coup, j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing de Sange. Je vous montre. Avec celui-là, franchement, il est top niveau. Je me suis jamais réellement intéressée à cette gamme, mais elle est top niveau. J'ai juste séché mes cheveux et j'ai pas estimé que c'était. J'ai estimé que ça suffisait en fait. Donc la prochaine fois, on testera ça, mes amis. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, la famille. N'hésitez pas à liker, c'est gratuit. Bref, j'ai lavé mes cheveux. Franchement, c'est une très bonne gamme pour entretenir son blond. Pas cher, donc ça vaut le coup de ouf. Bon, la lumière est un peu dégueulasse aujourd'hui, mais tiens compris. Franchement, mes cheveux, ils sont nickel. Le masque d'hier, il m'a fait grave du bien. J'ai juste essayé le sèche-cheveux. Et voilà quoi, nickel au chrome. J'apprécie particulièrement. Non, franchement, c'est top. Donc, cette gamme, on va la tester plus tard. Hein. Ils sont un peu cons, ils n'ont pas mis de gants. On va finir les mains violettes, heureusement que j'en ai. Donc, on va tester ça après. Là, j'avais pas envie de le faire. Fallait que je me sèche les cheveux. J'en avais marre d'avoir l'huile sur ma tête. J'ai laissé toute la nuit. Donc, voilà. Là, on va aller faire le meal prep. Après, je vais filmer le tuto avec la gamme, la palette de Marion Caméléon. On va se refaire une bouteille parce que ça va me faire du bien et j'en ai bien besoin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on va tester plein de produits que je n'ai jamais testés. Donc voilà, voilà. Vous verrez cette vidéo la semaine prochaine. Attends, faut que je remesure mes cheveux parce que là, ce que je fais un challenge pouce. Tu vois ce que je veux dire? Il dépasse mes bisous, c'est un truc de dingue. Et là, j'ai juré, hein, je laisse mes cheveux pousser jusqu'à mes seufs. Donc restez connectés, tu vois ce que je veux dire? Ils ont grave poussé, je suis trop contente. Franchement, ma routine, elle est top niveau. On ne change pas une équipe qui gagne, ça déchire. Je suis contente. De ouf. Donc voilà, je vais aller faire mon meal prep. Je suis en train de faire cuire des œufs, du riz. Il me reste des sardines. C'est la hesse. J'achète pas de saumon en ce moment parce qu'ils ont parmi le saumon qui valait le coup là. Donc j'en achète pas. C'est un peu la hesse, mais ça va, je ne vais pas vous mentir. Donc je m'adapte. Je bouffe des œufs, des sardines. Ça me va complètement. C'est impeccable. En plus, avec ma diète cyclique, il faut que je refasse un peu de course. Vivement que YouTube il m'envoie mon paiement parce que, d'ailleurs, merci, c'est grâce à vous que je touche un petit billet sur YouTube. C'est les pubs qui nous rémunèrent parce que sur YouTube, on est loin d'être pété d'oseille. Hein. C'est pas parce que vous voyez des gens faire des vidéos sur YouTube qui sont pétés d'oseille. On aimerait bien, mais pas du tout. Donc, c'est les pubs. Merci à mes amis qui regardent les pubs et tout ça. Merci du fond du cœur, vraiment. Donc, voilà, on est parti. Putain, je vais me transformer tout à l'heure, tu vas même pas comprendre. Bon, je vais faire le ménage, j'ai fait cuire mon riz, les œufs. J'ai mis ma petite gaine, je l'ai apportée 4 heures à peu près. Comme ça, je fais le ménage et tout le bordel. Je perds un peu de chèque en même temps, tu vois, ça fait plaisir. Bref, dimanche, on est tranquille. Je vais aller filmer un make-up, après je vais me ravaler la façade, comme je vous ai dit. Puis voilà quoi, n'hésitez pas à mettre plein de likes sur la vidéo que je vais sortir, parce que ça va me donner, tu vois ce que je veux dire, l'envie de continuer. L'envie de me make-uper et de faire des coiffures. Bon, j'ai fini de filmer ce TikTok make-up. La lumière, elle est dégueulasse. Vous allez croire que c'est trop moche. Mais bref, je vais clôturer le vlog ici, mes petits sarpis. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salam alaikum les gens. Prenez soin de vous garder la pêche et la santé.